Vous avez trouvé facilement. Je n'ai que le lit à vous offrir. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai lu vos souvenirs. C'est mon livre de chevet. Je suis allé l'apprendre. Qu'est-ce que vous faisiez dans mon jardin? Vous voulez un cigario? Qu'est-ce que vous faisiez dans mon jardin? J'avais besoin de vous parler, mais je n'osais pas, je suis timide. Ben, allez-y. C'est qui? C'est lui. C'est l'homme que j'ai tué. Enfin, d'une certaine façon. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est passé quoi exactement? Vous êtes sûr, vous en faites pas un peu, là? Je sais pas par où commencer. Mais par le commencement, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. J'ai trop honte. C'est pas le moment. Vous vous cachez depuis combien de temps? Personne ne sait que je suis ici à part vous. Bon, c'est quoi votre petit jeu? J'ai une qualité. Vous croyez que c'était une qualité? Je calcule toujours tout à l'avance. Moi, je mets pas les deux pieds n'importe où. Si vous avez tué quelqu'un, c'est grave. C'est mal de tuer des gens. Pourquoi vous avez fait ça? Pour l'argent? Par amour? Pour voir? Pour la femme de ma vie. Ça a mal tourné, j'avoue. J'ai merdé. C'est de ma faute. Vous avez des enfants? Voilà, ma femme, elle a un grand-fils. Il est militaire. Vous avez deux femmes? On peut dire ça. Ben, disons-le. Votre maison est à quel nom? Le crédit est à mon nom. 20 ans, mais c'est la plus belle du lotissement, avec une terrasse au soleil levant pour prendre le petit déjeuner. Si je vais en prison... Ils vont tout saisir. Il y a des chances. Elle ira où, ma femme? On peut se le demander. Je pensais que je m'en sortirais. Je voulais que tout le monde soit heureux. Je vous assure, commissaire. Il faut que vous me sortiez de là. Et pourquoi je ferais ça? Donnez-moi une bonne raison. Ça va repasser, vieux fou.